Et salut à tous les amis, c'est Maï. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où je vais vous montrer le nouveau mode Rocket Racing. Donc bah voilà, je vais vous le montrer. Aussi dans la boutique d'objets, maintenant bah il y a Lego. Aussi dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos Lego. Donc voilà, Lego. Et bah voilà, hein. N'oubliez pas de vous abonner, etc., etc. Donc voilà, donc là on arrive dans la partie. Là, il y a plusieurs sortes de voitures. Pour avoir d'autres voitures, il faut les payer, bien sûr. C'est avec les V-Bucks. Voilà, il y a celle-là. Il y a des octanes. Il y a plein de voitures différentes. Et voilà. Voilà, voilà. On commence la course. Et donc, dans ces modes-là, il y a de la classée. Donc, bah, la... Oh non, mais quoi, mais... Donc la classée, bah, qui est plutôt bien. Là, je peux en classer. En fait, c'est de la classée comme bah, dans le Battle Royale. Donc, c'est de la classée comme dans le mode Battle Royale. Où, bah, bah, quand tu gagnes des courses, en fait, tu augmentes ton pourcentage. Voilà. Tu augmentes ton pourcentage. Et voilà. Voilà, voilà. Ah oh ouais, mais... Et donc, bah, voilà. Et donc, bah, il y a... Oui, en fait, c'est exactement pareil que le Battle Royale. Il y a une règle, il y a tout. En fait, il y a tout ce que tu veux. Et voilà. Voilà, voilà. Et aussi, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse bah, les vœux. Et oui, aussi, quand... Bah, pour moi, croix... quand on reste appuyé sur croix, on peut voler. Voilà. Et voilà, voilà. Et voilà. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur Fortnite ou quoi, ou dans plein de jeux différents, bah dites-le moi dans les commentaires. Et voilà. Donc là, on va faire la petite course. Là, je suis troisième. Et j'espère que bah, votre journée là se passe plutôt bien pour l'instant. Et voilà. Hop. Hop là, l'accélération. Et au final, franchement, enfin moi je crois, hein, je suis pas sûr, mais je crois que quand vous achetez une nouvelle voiture, donc dans la boutique d'objets, ça coûte quand même un peu cher. En fait, ça fait rien. C'est juste pour qu'elle soit plus belle. Mais je crois que ça fait vraiment rien. C'est juste la beauté. Donc tu dépenses des, c'est comme pour les skins. Vous dépensez des V-Bucks, mais juste pour la beauté. C'est pas parce que vous achetez une voiture qui ont dans la, peut-être dans la vraie vie, elle va plus vite qu'elle va vraiment aller plus vite. Ou qui a l'air d'aller plus vite. C'est voilà. Là, là, faut que j'accélère. Oh non, je... Quatrième. Quatrième, ça va. Franchement, quatrième, ça va. Donc là, récap de la partie classée. On attend des résultats. Parce que. On se prend beaucoup de temps. Et donc voilà, je vais vous montrer dans la boutique d'objets si elles sont encore disponibles, les voitures. Hop, ça s'en fiche. Donc là, oui, là, donc là, il y a un truc spécial, voiture. Donc là, après, vous pouvez en avoir plusieurs. Là, il y a des autocollants. Mince. Waouh! Là, donc après, là, il y a des roues différentes. Mais bon, moi, j'ai pas beaucoup de trucs. Voilà, donc première voiture, 2500 V-Bucks avec tout dans une voiture et bah, beaucoup d'autres choses. On peut offrir à des amis. Voilà. Hop là.
Après là, il y en a une autre. Et voilà. Donc après, bah, en participant à plusieurs courses du mode Rocket Racing, on a déjà un sac à dos qui est comme ça. Je vais vous le montrer. Alors, il est comme ça. Et au moment où nous arrivons hors, on a un skin. Voilà, je suis pas encore hors. Et voilà. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse le mode waouh, Lego. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Et merci à tous. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, liker, etc. Et au revoir, abonnez-vous, c'était ma